Donc c'est l'adaptation d'une nouvelle qui a été écrite par Jean-Philippe Jaworski et qui précède en fait le roman qui s'appelle Gagner la guerre. Et donc mon travail d'adaptation, c'était de faire une série complète qui sera en 5 albums. Et donc dans le tome 1, en fait, on découvre le personnage principal qui s'appelle Benvenuto et qui est un assassin à qui on confie une mission somme toute assez banale pour sa profession. Mais cette mission dérape et en fait, de fil en aiguille, il va être emmené dans des tractations politiques qu'il dépasse complètement. Et voilà, je n'en dis pas plus. Au niveau du graphisme, je n'ai pas changé grand-chose par rapport à mon style. Donc je fais toujours de l'ancrage au pinceau, j'ai toujours un style réaliste qui flirte avec le semi-réalisme pour les personnages. Quant à l'adaptation, en fait, comme j'ai commencé par Mauvaise Donne, c'était mon idée première, c'était de faire Mauvaise Donne et en fait ça s'est imposé assez rapidement à moi. Cette nouvelle se prête assez bien à faire un one-shot. Et là j'attaque actuellement le roman Gagner la guerre, donc qui sera lui découpé en 4 tomes. Et qui sera. Là le rythme est assez différent et je suis occupé dessus. Donc, en fait, Jean-Philippe Jaworski m'a laissé vraiment carte blanche pour l'adaptation. Il m'a fait confiance et je pense qu'il a vu vraiment en moi aussi un fan de ce qu'il a fait. Donc à ce niveau-là, j'ai été assez libre. Par contre, je lui ai demandé de valider chacun de mes choix. Donc en effet, il a vu un premier storyboard qu'on a un petit peu retravaillé, puis un deuxième, un troisième. Ensuite, il a vu chaque page au stade du crayonné, au stade de l'ancrage. Il a validé les couleurs, etc. En fait, il avait un travail de supervision de mon travail. Illustrer la Renaissance, pour moi, c'est tout nouveau, vu que je venais du Japon médiéval. Donc, en effet, j'ai dû faire beaucoup de recherches dans des livres d'art, des livres d'architecture, dans des films, sur Internet, etc. Il y a un très gros travail pour essayer de rassembler un maximum d'informations à ce niveau-là, quoi. En fait, ce que j'ai vraiment aimé faire, c'était le travail d'illustration des dialogues entre les personnages. Ça, c'est vraiment ce qui m'a amusé le plus. Et je pense, des retours que j'en ai pour l'instant, que c'était, voilà, c'est assez positif. Les gens ont bien aimé ce passage-là. Après, retranscrire toute la cité Renaissance, etc., c'était vraiment très intéressant comme travail aussi. Oui. C'est bon. En fait, j'ai pris un ami qui j'ai un ami qui ressemble à ça. Et en fait, quand est venu le moment de chercher la tête du personnage, c'est venu assez rapidement sur lui. Par contre, un personnage qui me posait beaucoup plus de difficultés, c'est le podestat, Léonide Éducateur. Parce qu'il est décrit dans le roman comme étant un personnage en fait, qui a un physique assez banal, de petite taille, qui n'est pas, voilà, qui ne sort pas du lot, mais qui par contre dégage un charisme incroyable. Évidemment, ça c'est impossible à faire en image. Donc là, pour trouver ce personnage qui à la fois passe partout et dégage du charisme, j'ai eu plus de difficultés. Oui, c'est ce qu'on appelle de la low fantasy, donc en fait c'est une base réaliste, presque historique, en fait, qui est tout à fait crédible, à laquelle vous et moi on peut se rattacher, mais dans laquelle on rajoute des petits éléments d'ésotérisme, de magie, etc. Donc on va le découvrir aussi par la suite, c'est un univers où il y a aussi des nains, des elfes, etc. Mais c'est vraiment très très discret, c'est par petites touches. Et c'est personnellement c'est la fantasy qui moi me plaît quoi. Oui. Et en fait c'était mon idée au départ, mais une fois que j'ai lu ce roman, voilà, il y avait absolument tous les ingrédients que je voulais illustrer là en bande dessinée. Et donc le fait d'avoir un anti-héros, que ce soit de la low fantasy, tout ça, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et donc voilà, du coup j'ai laissé les notes de côté et je suis parti là-dessus. Peut-être plus tard, oui, j'ai d'autres projets qui sont par écrit, mais maintenant je suis vraiment à plein temps sur Gagner la guerre et j'en ai pour 5 albums, donc ça va prendre quelques temps.